Bonjour, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'exprime un peu ce que ça veut dire d'être introverti. Je rappelle rapidement une définition de l'introversion. Je pense qu'il y en a plein et on va me dire, regarde dans le dictionnaire, ça veut dire ça ou pas. Mais bon, peu importe. L'introversion, donc, c'est celui qui se ressource dans la solitude, par opposition à l'extraverti qui va trouver son énergie dans la connexion aux autres. Je suis plutôt de type introverti, mais en fait, je trouve que la vie mondaine, la vie de tous les jours, quotidienne, avec les amis, la famille, le couple, le travail, etc., fait beaucoup de stimulation extérieures qui viennent remplir la jauge de l'extraversion, parfois même jusqu'à la faire déborder. De mon côté, lorsque cette jauge est remplie, ça se manifeste soit par une sorte de nervosité, je suis pas du tout patient, soit par de la faim, je vais manger pour avoir l'énergie de recevoir plus d'humains. Et puis aussi la tendance à aller vers des activités hypnotiques qui font sortir de soi. Je ne parle pas d'hypnotique introversion justement, mais plutôt divertissement, surstimulation pour ne plus penser qu'on n'aime pas ce qu'on fait, tu vois, qu'on est dans le trop, dans l'excès de quelque chose et dans ce cas d'humain, de choses extérieures. La ville n'est pas du tout pensée pour alléger la jauge de l'introversion, de l'extérieur, quoi. Y a rarement des parcs faciles d'accès aux endroits où on vit et où on travaille. Il faut aller les chercher loin et du coup c'est un effort à faire, surtout qu'il faut encore traverser des zones bourrées de stimulation, d'une certaine forme de brutalité, d'agressivité, le bruit, les gens. Voilà. La ville, c'est pas vraiment l'endroit pour. Et je pense que de là vient l'envie aussi d'aller plus à la campagne. Alors ça m'inquiète parce que je me dis, mais comment on vivra tous dans la campagne si on trouve ce désir d'introspection? Je pense qu'il est inhérent, qu'on pourrait s'en satisfaire. Mais passer un certain stade, et avant ce stade, eh ben, il faut forcément aller chercher les clés, les éléments comme ça dans l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps dans l'extérieur. En fait, je pense que c'est un sentiment naturel. Tant que tu ne trouves pas l'envie d'être bien à l'intérieur, tu vas chercher plein d'expériences de vie, plein d'interactions avec des humains, plus ou moins fortes, plus ou moins violentes. Parce qu'en fait, il te manque quelque chose et qu'en fait, c'est plus que tu vois pas que tu l'as déjà.